Salut les filles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire encore un truc avec la palette Smoky de Makeup Forever. Parce qu'en fait, je la trouve très inspirante. Parce que d'habitude, les palettes, bon, à part les palettes Urban Decay où il y a plein de couleurs différentes, mais d'habitude, une palette, c'est beaucoup dans les mêmes tons. Et du coup, ça donne pas des milliards de possibilités de maquillage différentes. Alors que là, ça donne vraiment plein d'idées. Donc, je pense que je vais faire un truc avec le bleu aujourd'hui. Oui. Alors, sinon, pour mon teint, je suis toujours avec mon truc Dior, là. Même que j'ai hit the pan, je suis hyper contente, on voit le fond. Regardez. Wouh ! Truc qui m'arrive jamais. Peut-être que je vais réussir à le finir. Ça, ce serait grand. J'ai corrigé mes taches, mes cernes, tout ça, avec toujours mon full cover. J'ai poudré toujours avec la poudre du duo machin de Bobbi Brown. Et je me suis. Là, en ce moment, je suis dans une période. Je change de blush tous les jours parce que j'en ai marre d'utiliser tout le temps les mêmes. Et donc, j'ai ressorti mon cher Lover de Illa Mascara. Blush poudre. Pêche machin. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit cette foutue couleur? On ne voit rien. Bon, bref, il est sublime. Je l'adore. Voilà. Et j'ai pas poudré sinon. Et pour l'instant, j'ai rien dans mes sourcils. Alors, par quoi je vais commencer? Pas du tout dans quel sens je vais faire ça. Je vais prendre un 239 MAC, la couleur un peu champagne là, et je vais mettre ça. Je mets pas de base, hein. Je vais voir ce qu'ils vont dans le je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre sans base, ça va être intéressant. Je vais en mettre sur un tiers, allez, mettons. Bien dans le coin, parce que moi ça me permet de lutter contre mes cernes, d'avoir un truc bien lumineux à cet endroit là dans le coin. Toc. C'est vrai que sans base il se voit moins forcément, mais bon, je veux voir s'il crease ou pas, d'autant qu'aujourd'hui il fait pas chaud, tout ça, pas de transpiration, ça devrait pas creaser. Ensuite je retourne mon pinceau et je vais prendre du bleu, le bleu qui est là. Ah, il ressemble au contraste comme deux gouttes d'eau. Très intéressant. Et je vais faire un genre de smoky américain, donc je vais faire venir assez loin. Pour ne pas faire de tâches. Toc. Assez loin et assez haut. Sur le champagne, quoi. De l'autre côté, évidemment, sur paupière auto-tachante, ça ne va pas du tout être pareil. N'en rêvons pas. Je me sers du plat du pinceau pour fondre un peu dans les deux sens. Hein. Et si on trouve qu'il y a trop de bleu, on retourne le pinceau, on reprend du rose et huit, enfin du rose du champagne et huit, on en met par-dessus. C'est pas. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hop, est-ce que je suis pareil des deux côtés? Mais pourquoi est-ce que la lumière est tellement en biais là, plus que d'habitude? Super énervant ce truc là. Ah, j'ai essayé hein, d'acheter des lampes, machin, spécial, pour faire un éclairage bien tout le temps. Ça marche pas du tout. Rien à faire. Il faut soit des trucs énormes de studio photo, soit de la lumière du jour. Il n'y a rien à faire. Je prends le pinceau sur la tranche et je mets du bleu dessous. Deux tiers à peu près. Hop, en raccordant bien ici. Ah, je m'en suis mis dans l'œil, ça gratte. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Et de l'autre côté, pareil, dans l'œil aussi. J'ai eu la main un peu lourde, donc j'ai quelques chutes. Donc pour l'instant, nous en sommes là. C'est un petit peu bizarre parce que c'est pas estompé. Mais on va y remédier. Avec un 217, il en reste un quelque part. Et on estompe bien tous les bords. En essayant de ne pas en perdre. Ah mais j'ai vachement de chute de bleu, c'est nul.
Donc le bleu fait des chutes, c'est bon à savoir, méfiance. Je vais être obligée de remettre de l'anticerne par-dessus. Je vais être obligée de nettoyer l'anticerne, j'aime pas ça. Pas ça parce que ça fait pas propre, quoi. Même quand c'est nettoyé, c'est pas complètement propre. Voilà. Ça s'estompe beaucoup, je trouve, c'est curieux. Comme s'il n'avait pas une super tenue. Je pense qu'il faudrait une base dessous, en fait. Qu'il ait vraiment plus de présence. En fait, ça tient debout parce que c'est une palette smoky, donc c'est censé être posé sur des crayons. Comme un smoky classique, c'est fait, on le pose sur un crayon. C'est-à-dire que le bleu, là, il est fait pour être posé sur un col bleu. C'est aussi pour ça que tout seul, il est beaucoup plus transparent. Parce que là, c'est vraiment transparent, quoi. Ennui, cette histoire. On va remettre. De toute façon, je vais mettre du noir aussi, mais j'aurais bien voulu que le bleu se voit, quoi. Se voit plutôt que de faire des chutes. Tant qu'à faire. Hein? Alors. L'idée étant d'estomper sans perdre de couleur, quoi. Ce qui est toujours un peu tricky. Et sans faire un beurre noir non plus. Un beurre bleu en l'occurrence. Et ici, sur paupière auto-tachante, qu'est-ce que ça donne? Non, ça va. Je suis pas complètement satisfaite. Je vais mettre du noir avec. Je vais reprendre le même pinceau. Avec ce pinceau-là. Je vais mettre du noir pour intensifier le creux. Donner un peu plus de force à cette petite banane là. Un petit peu dessous pour que ce soit raccord, un petit peu dans l'œil aussi pour que ce soit raccord. Oui, ma coiffure est super bizarre. En fait, de toute façon, ma coiffure est super bizarre, c'est sûr. Ah, mais j'en ai plein dans l'œil, c'est hyper désagréable. Ah, 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 ah. Pour trouver votre creux, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez le pinceau là, là où ça s'enfonce, c'est le creux. C'est assez simple quand même. Je trouve que ce bleu n'est pas satisfaisant parce que il se comporte un peu comme un mat, c'est-à-dire qu'il marque pas beaucoup et en même temps quand on l'estompe il fait des trous. Je pense qu'il serait mieux posé sur une base ou posé par-dessus du noir comme j'avais fait avec le cuivré. C'est pas mal, mais c'est pas complètement ça. Alors, clairement, on va nettoyer dessous parce que là, c'est juste catastrophique. Donc, je vais reprendre mon pinceau anti-cerne. Non contente de nettoyer, je vais devoir remettre de l'anti-cerne par-dessus. Pas complètement au point tout ça. C'est déjà assez plus propre, c'est plus égal, enfin plus égal, plus ou moins plus égal, parce que là c'est pas pareil, clairement. Ouais, 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 pas certaine de ce bleu, moi. Faudrait que j'essaie de l'utiliser autrement. Je remets du champagne pour donner un peu plus de lumière à la paupière mobile. En essayant de ne pas bouffer la banane au passage, bien sûr. Voilà. Marrant, ça ne marque pas, quoi. Pas complètement. Mais excusez-moi de chuchoter, mais. Ouais, je pense qu'il faut vraiment une base sous effort. Vraiment, vraiment. C'est ça, c'est le principe du smoky. C'est posé sur du crayon.
Et le crayon fait tout tenir et le crayon fait ressortir. Donc bah, ça tient debout, hein, en fait, c'est logique. Ok, je vais faire un petit travail de nettoyage à l'anticerne. Avec mon anticerne comme ça, là, mon Mac. Est-ce que j'ai mains propres? Parce que si on n'a pas les mains propres, si on a les mains pleines de bleu et qu'on les fout dans l'anticerne, ça marche pas. Hop. Je pourrais le faire au pinceau aussi. Hein. L'habitude de faire ça au doigt, ça va vite. Toc. Parce que le bleu sous les yeux, forcément, tout de suite, ça donne pas bonne mine, quoi. C'est pas l'idée. Ah, ne va pas trop haut, mon petit. Ne va pas trop haut, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose depuis le début ou rien du tout? Il y a beaucoup de chutes. Le bleu fait beaucoup de chutes. Hein. Méfiance. Donc base, tout ça, machin. Ouais, je suis pas très satisfaite de ce bleu. Le résultat est pas vilain, mais quand même assez transparent pour un peu de galère à l'application, hein, je trouve. Enfin. Je vais repoudrer le dessous de l'œil pour que ça tienne. Toujours avec le même pinceau, ma petite poudre pale yellow. Pale yellow. Toc. Ah, j'aurais pu nettoyer avec mon éponge à fond de teint aussi. Tiens, ça aurait été une idée. J'ai pas pensé. Et je vais reprendre mon pinceau à blush et remarquer le haut des joues. Parce que j'en ai perdu un peu avec l'anticerne. Voilà, 11 minutes 37 pour tout ça. Eh ben, bravo. Hein. Je mettrais bien du liner, mais du liner costaud. Donc je coupe 2 secondes, le temps d'en chercher. Hein. Tout de suite. Voilà. Ah, je ne vous ai pas montré, j'ai ma tête de mort. Regardez, ma petite tête de crâne. Je la porte. Je la porte et j'arrive à pas avoir peur. Il y a du progrès. J'ai pris le liner noir gel clinique, parce que c'était le premier qui me tombait sous la main. Je prends mon pinceau liner préféré, 0S Make Up Forever. Pof. Je patouille dans le liner, il y en a trop sur le pinceau, j'essuie sur ma main. C'est parti. Parce que là, j'avais pas envie de faire un... Qu'est-ce qu'il y a pour les pinceaux ? J'avais pas envie de faire un trait de liner à la poudre. Ça aurait pas été. Le reste du maquillage est déjà un peu trop transparent. Ah, mais ça me chatouille, ça me donne envie de me gratter l'œil, c'est horrible. Donc c'était déjà assez transparent, j'avais pas envie de transparentiser plus. Clac. Oh, bah c'est épais mon truc. Bah, ce sera épais, on n'en aura pas. Pour une fois. Hop, c'est vrai qu'il est extrêmement fluide. Presque un peu trop du coup. Parce que du coup, il peut partir tout seul. Alors des liners plus épais ne peuvent pas partir tout seul. Non, j'arrive pas à parler quand je fais ça. Sinon je fais des conneries. Bah, l'œil gauche est plus réussi que l'œil droit pour une fois. C'est rare. Vous inquiétez pas, hein, c'est jamais pareil le liner sur les deux yeux. Parfois ça a l'air presque pareil, mais. Personne n'aura le nez sur vos yeux pour aller contrôler le quart de millimètre de différence qu'il y a entre le gauche et le droit. Hein. Ça se verra si vous faites des photos en gros plan. Et c'est tout. Un peu plus loin là quand même. Et puis n'oubliez pas, voilà, c'est plus sympa avec du liner. Et n'oubliez pas que de toute façon, une fois que vous aurez posé le mascara, on verra beaucoup moins le liner aussi. Et donc il semblera moins... les imperfections éventuelles disparaîtront. Donc je vais mettre du mascara et je reviens. Voilà.
toujours mieux avec des cils. Hein. Donc c'est pas vilain, c'est un peu transparent. Je pense qu'à prendre en photo, ça va être l'horreur. Donc s'il n'y a pas de photo, c'est que j'ai pas réussi. Ça peut arriver. Pas mal. Faudrait que j'essaye sur une base plus costaud le bleu pour voir ce qu'il donne. Mais sinon, il ressemble au contraste comme deux gouttes d'eau. Il a ce même côté, hein, à peine indigo un peu dedans. Donc je pense qu'on peut appeler ça un smoky américain, clairement. C'est sympa. Sur des yeux marrons, ça met en valeur le marron. Sur des yeux bleus, ce sera beau aussi. Sur des yeux verts, à mon avis, comme il y a une légère pointe d'indigo dans le bleu, ce sera super joli. Sur des yeux gris, ce sera tombé par terre. Bref, ça va, tout le monde. Un petit coup de Shy Girl. Je ne le quitte plus. Et sur les ongles, je vous ai pas dit. Je suis vraiment anti-couleur sur les ongles en ce moment. J'arrive pas. Donc là, c'est le Loose Certainly Look Marvelous de la collection Swiss d'Opi. Que j'adore parce qu'il est vraiment couleur éteint. Pas éteint comme éteint la lumière, mais éteint comme le métal. Voilà, voilà, voilà les filles. Bientôt, ciao.